Salut, alors aujourd'hui on va faire l'historique de mon jet ski, de mon scooter des mers gonflable, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, on va faire l'historique et ouais, tout ça, ouais. Donc attends, faut que j'essaye de me rappeler de tout ça aussi. Donc effectivement, je l'ai eu. Je l'ai eu à Noël, à Noël 2022, précisément. Je l'ai eu à Noël, c'était un de mes cadeaux de Noël, comme dans la vidéo d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu. La vidéo, ça s'appelle Joyeux Noël volume 2, le Père Noël est passé avec sa snowmobile. Je ne sais pas si je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Et sinon, j'ai fait une nouvelle playlist justement qui s'appelle Mes gonflables et elle est en première, c'est la première vidéo de la playlist. Puisque justement, c'est la première vidéo que je montre effectivement le scooter. On va l'appeler le GP500 parce que c'est écrit dessus, là justement. Les inscriptions, c'est écrit, bon là c'est écrit Intex Wave Rider, là de chaque côté de la selle. GP500 ici et ici. Et sinon à l'arrière, là et là, il y a le chiffre 27. Donc ça serait le Intex Wave Rider GP500 27. Sinon, sur le site officiel d'Intex, je crois qu'il s'appelle simplement scooter gonflable, un truc comme ça. Donc, voilà. Mais c'est un scooter des mers, faudrait le préciser quand même. Parce que sinon, un scooter tout court, ça ressemble pas à ça pour moi. Hein. Donc du coup, il a un peu vécu, effectivement, mais ça fait que un an que je l'ai quand même. Hein, ça paraît pas, mais ça fait que un an, du coup. Enfin, ça fait tout juste un an, même un petit peu plus d'un an, puisque je l'ai eu à Noël, et là, on est le 2 janvier, à l'heure où je tourne la vidéo. Du coup, c'est la première vidéo que je tourne en 2024. Les autres, effectivement, ont été tournées avant 2024, le 30 décembre. Pour la vidéo précédente, je ne sais pas si vous l'avez vue sur ma moto gonflable. Je l'ai tournée le 30 décembre, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire l'historique un peu de mon scooter gonflable, de mon GP500. Parce que j'ai dû faire plein de vidéos dessus, mais que je ne vous les ai jamais montrées, puisque je les ai quasiment jamais publiées. Il y en a une qui est sortie, je crois, fin octobre ou début novembre, je ne sais plus. Qui s'appelle Mon jet ski s'illumine, où en gros, c'est pareil, c'est la deuxième vidéo dans la liste, dans la playlist sur les gonflables, où effectivement je m'amusais à mettre une lampe dessus et ça s'éclairait de toutes les couleurs en fait. Si je passais la lampe sur la selle rouge, ça s'éclaire en rouge, si je passe la lampe là où c'est jaune, ça s'éclaire en jaune, enfin voilà. Et je trouvais ça magnifique, donc du coup j'en ai fait une vidéo qui n'a pas grand intérêt, mais que je vous laisse comme ça si vous voulez. Et c'est tout. J'ai fait que deux vidéos du coup sur mon GP500 et mes gonflables en général. Et sinon la troisième, ça va être celle qui est sortie le 6 janvier sur la moto gonflable que je vais peut-être vous montrer un peu plus tard dans la vidéo, je ne sais pas. Là, on est pour l'instant sur le petit scooter des mers, le GP500. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an que je l'ai, effectivement. Et bah déjà, il a un peu souffert, j'ai l'impression, parce que là, c'est ici. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous le montrer là, comme ça. Là, j'ai mis une petite rustine, bah, la rustine qui est fournie avec parce que justement c'est la particularité et la très bonne idée des gonflables Intex de toujours fournir une petite rustine transparente en plus avec comme ça voilà tu peux réparer sans souci s'il y a une petite fuite donc il y avait une petite fuite par là du coup mais ça sert à réparer assez facilement. En fait, ce qui est plus compliqué à réparer et ce qui est en plus un peu le point faible des gonflables, c'est les coutures, là, les jonctions, les coutures, les soudures, appelez ça comme vous voulez. En anglais, ils appellent ça les seams, SEAM. Donc, voilà. Et donc, c'est là où il y a un défaut de seam, c'est ici.
où ça s'est légèrement ouvert, alors pas longtemps, ça fait la brèche, ça fait moins d'un millimètre, je crois, mais ça fuit un petit peu. Alors du coup, j'ai mis du scotch en essayant de plaquer le scotch contre la couture pour que ça fuit le moins possible. Et là, effectivement, ça a l'air de fuir presque plus. Mais après, c'est que je ne l'ai pas gonflé très fort et que du coup, la pression a dû s'équilibrer. Tu vois, c'est tout mou. Je ne sais pas. Bon, tout ça pour dire que c'était peut-être dû à mon poids et ma taille, vu que c'est plus pour les enfants, soi-disant, jusqu'à 40 kg à peu près. Donc, effectivement, moi, je fais un peu plus, hein. Je fais 57 kg, je crois. Pendant l'été, je faisais 60 à 61 même, hein. J'ai un peu perdu depuis, mais bon, je le voulais pour Noël, tu vois. Donc, du coup, j'ai vu ça pour Noël. Ça a été mon cadeau de Noël 2022, du coup. Voilà. Mais c'est vrai que je vais pas trop m'appuyer dessus, hein. Parce que effectivement, c'est pas trop adapté à mon poids. Hein. C'est plus pour les enfants de moins de 40 kg. Et j'en fais presque 60. Donc effectivement, je suis peut-être un peu lourd. Puis c'est un peu petit, même par rapport à ma taille. C'est sûr, ça s'emmène partout. Ça s'emmène partout, ça prend pas de place, mais c'est un peu petit pour moi, effectivement. Par rapport à la grosse moto, vous voulez que je vous la montre, la grosse moto. Mais par contre, ça, effectivement, ça prend pas de place. C'est tout léger, je crois que je l'ai pesé, je sais plus quand, il faisait 710 grammes, je crois, précisément. Ouais. Et la moto, celle-ci, voilà, elle fait, je crois qu'elle fait à peu près 2 kg, un truc comme ça. Je ne l'ai pas pesée, mais il me semble qu'elle fait environ dans les 2 kg. Mais ça reste très léger quand même. Mais c'est vrai que le matériau, il a l'air plus épais là-dessus, tu vois. Ah ben oui, ça a l'air de s'être un peu dégonflé. Je vais essayer de les mettre côte à côte, là. Celui-là, effectivement, l'épaisseur du matériau, je crois que c'est 0,25 mm. Et la moto, l'épaisseur, c'est 0,30 mm. Alors, ça n'a pas l'air beaucoup en différence. Pourtant, j'ai l'impression que celui-là est vachement plus solide que celui-là, quand même. Ouais, même au niveau des coutures. Puis, les coutures sont plus solides, effectivement. Même si je les trouve assez fines. Surtout sur le corps de la moto, là, de là, tout ça. Je trouve que les coutures sont assez fines, mais bon, c'est fait pour résister. Normalement, c'est censé supporter 100 kg. Donc là, c'est sûr, c'est plus adapté à mon poids, effectivement. Parce que je disais, je fais même pas 60 kg. Après, c'est même pour ma taille, tu vois, je suis un peu lourd, j'ai envie de dire. Je fais 1,62 m à peu près. Donc je suis pas très grand, mais bon, ça c'est de famille, quoi. Disons que dans ma famille, ils sont pas très grands, tu vois. Enfin, ils sont pas tous très grands, disons. Il y en a qui sont grands, mais parce que c'est du côté de ma mère et du côté de mon père, ils sont plus petits, en fait. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc voilà. C'est vrai que même là, il a l'air de se dégonfler un peu, non? Ou alors c'est que la base s'est dégonflée et du coup la selle a perdu un peu de la pression parce que la base soutenait un peu, tu vois. Parce que tout est lié en fait, hein, Ah ouais, c'est magnifique les deux comme ça côte à côte. Donc voilà. Et donc la moto, si vous vous posez la question, je l'ai eue à Noël 2023, donc là, il n'y a pas longtemps. Bah, je viens de la recevoir même et je viens de tourner une vidéo avec. Donc, voilà. On va la mettre, je ne sais pas où, là pour l'instant.
oui, là, ça a repris de la pression, là, du coup, maintenant que j'ai regonflé la base. Effectivement, tout est lié. Donc voilà, effectivement, qu'est-ce que je vais vous parler? Des événements, bah, il y en a eu deux principaux, effectivement. Donc effectivement, c'est au mois de mai, autour du 8 mai, du 5 au 10 mai, pour être vraiment précis. Je suis allé donc chez mes grands-parents au bord de la mer, tu vois, pour essayer mon cadeau de Noël, quoi, mon jet ski gonflable, tu vois. Donc voilà, il y a quelques photos. Bah, les photos que vous voyez au début de la vidéo ont été en grande partie prises pendant mon séjour là-bas. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas dû au bord de la mer, qu'il aurait peut-être légèrement frotté sur le sable, ou je sais plus, et que du coup ça aurait créé cette première fuite à cet endroit-là, justement. Ça, j'en suis pas sûr, mais c'est possible. Et donc, effectivement, l'autre truc, c'est que je l'utilise aussi chez moi, en fait. Voilà, on s'en sert tout l'été à la piscine. Alors, c'est vrai que la piscine, je vous l'ai jamais montrée parce que je voulais pas montrer que j'avais une piscine, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je voulais pas montrer la piscine, en fait, au début sur la chaîne, puis j'ai quelques photos discrètes à la piscine que j'ai dû vous montrer dans l'intro finalement. Donc voilà, tant pis, mais ne vous concentrez pas dessus, quoi, c'est pas le principal. Mais ce que je vais vous montrer, c'est après un été à la piscine, effectivement, ça l'a un peu usé. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de rayures en fait sur le. Au niveau de la peinture, là, et tout ça, un peu partout, c'est. Enfin, surtout sur la selle, là, sur ça. En bas, ça se voit moins. Non, ça se voit beaucoup moins, voire même pas du tout sur la base. Mais par contre, sur la selle, effectivement, il y a plein de rayures un peu partout. Ça, c'est peut-être dû au fait de le plier n'importe comment dans tous les sens. Ça finit par un peu rayer la peinture, tu vois. Bon, après, c'est pas très grave, mais c'est moins beau, quoi, niveau esthétique, c'est moins. Ensuite, je voulais vous parler de l'exposition. J'ai l'impression que c'est un peu l'exposition à la chaleur, mais surtout aux UV, je pense, qui a dû déformer, là, tu vois, on dirait que ça a été légèrement déformé ici. Ici aussi, là où il y a des traits noirs, en fait. Là, un peu, tu vois. Puis le blanc est plus très blanc, là, tu vois, il est un peu terni, un peu jauni limite. Là, c'est plus très blanc, c'est plus très joli. Et puis même la texture, là, il est plus très lisse, effectivement. Alors, je sais pas si c'est lié à la chaleur ou aux UV, ou les deux, peut-être même. Mais je pense, pour la prochaine fois que je vais essayer de pas trop l'exposer à la chaleur ou aux UV, d'essayer de le rentrer à chaque fois que je m'en sers plus, tu vois. Parce que voilà, ça pourrait l'abîmer. Donc je vais essayer de faire ça avec la moto là, parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer, ma moto gonflable. Donc je vais essayer de la traiter au mieux, comme on dit. Je vais essayer de la préserver au mieux, et de, je sais pas, à chaque fois que je sors de la piscine, est-ce que je dois la dégonfler pour la stocker, je sais pas où, à l'intérieur. Ça va faire pas mal, mais bon. Bon, en tout cas, ça, effectivement, le petit jet ski, c'est tout petit, c'est facile à gonfler et à dégonfler, ça prend pas de place. La moto, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, elle est plus grosse et elle met surtout beaucoup plus de temps à gonfler et à dégonfler, je trouve.
Après, c'est peut-être parce qu'elle est neuve que je vous ai dit et que du coup, avec les clapets anti-retour, ça freine l'air, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'air qui passe. Et comme les clapets anti-retour sont très fermés quand le truc est très neuf, quoi. Voilà, au fil du temps, ça finit par s'ouvrir et par pouvoir laisser passer plus d'air, mais au tout début, c'est pas évident et c'est. Surtout pour dégonfler, en fait. Pour le gonfler, tu arrives à enfoncer l'embout de la pompe un peu plus loin, donc du coup, ça ouvre le clapet. Mais quand tu dois la dégonfler, tu es obligé de presser très fort sur les valves. Là, ça fait mal au pouce au bout d'un moment, quoi. Ou sinon, j'essaierai peut-être de la dégonfler à la pompe à vide, c'est-à-dire en fait sur la pompe. Sur celle-là, il y a deux modes. En fait, tu as le mode inflate, donc pour gonfler où ça souffle. Et de l'autre côté, là, tu as le mode deflate, donc qui aspire l'air, en fait. Pour dégonfler, ça aspire l'air, en fait. Et d'ailleurs, tu as juste à brancher le tuyau. En fait, c'est de base, en fait, ça aspire l'air d'un côté pour le ressouffler de l'autre côté. Donc, si tu branches le tuyau de ce côté-là, ça va souffler l'air, ça va gonfler, du coup. Si tu branches le tuyau de l'autre côté, ça va aspirer l'air. Et donc du coup, ça va tout dégonfler. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Donc voilà, si vous voulez faire durer les jouets gonflables le plus longtemps possible, je conseillerais de ne pas les laisser trop exposés à la lumière et à la chaleur. Enfin, en tout cas, aux UV et à la chaleur, au soleil, quoi. Parce que je sais pas si. Ben non, j'en avais pas encore parlé sur la chaîne, mais sur une des vidéos qui n'est pas encore sortie, j'avais une tortue, en fait, que je l'ai toujours parce que je l'ai gardée dans l'espoir de pouvoir la réparer. Et donc, j'avais une tortue Intex, toujours un Intex. Dont la patte arrière, une des pattes arrière s'était décollée en fait, suite, moi je pense que c'est suite aux canicules de 2019, si vous vous souvenez, c'était fin juin 2019, il avait fait très chaud, il avait fait plus de 40 degrés, il y avait eu une canicule du siècle, quoi. Et du coup, en plus, c'était stocké, je crois, dans un coffre noir, en plus, donc ça faisait monter encore plus la chaleur, ça se trouve, il pouvait faire 50, 60 degrés dedans, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais c'est possible. Donc du coup, je vais essayer pour entretenir mes gonflables de pas les stocker dans le coffre où en période de canicule il fait 50, 60 degrés, quoi, mais plutôt de les stocker à l'intérieur, dans la maison ou à un endroit où il fait frais, quoi, pendant l'été, ou du moins il fait pas 40 degrés, quoi. Donc je vous ferai une vidéo aussi sur la tortue. Qui sortira bientôt, je pense. Ce sera même l'historique. Comme là, je fais l'historique de mon jet ski gonflable, je vais faire l'historique de la tortue aussi. Ça sortira aussi au mois de janvier dans toute une série de vidéos sur les gonflables que j'ai pas pu publier. Parce que voilà, ça restait discret. Et d'ailleurs, à chaque fois que je tournais une vidéo sur les gonflables, c'était généralement un jour où il n'y avait personne à la maison, il n'y avait que moi, parce que voilà. C'était discret, c'était en douce, en clandestinement un peu, tu vois. Je voulais pas trop que ça se sache, et maintenant j'ai envie que ça se sache, ou du moins sur ma chaîne. Donc je vais tout publier là au mois de janvier, pas tout, mais presque. Donc je l'avoue, je le confesse publiquement, je l'avoue que oui, je collectionne les gonflables et que des fois je m'en sers dans ma chambre, pas forcément à la piscine ou à la plage, mais aussi dans la chambre. Et en même temps, j'ai confessé que j'avais une piscine, mais que je voulais pas trop en parler, voilà. C'est cadeau, c'est pas grave. Là, tu vois, ça s'est encore un peu dégonflé. Oui, parce que ça fuit là légèrement sur les côtés. Mais c'est pas grave parce que justement, j'en ai pas parlé, mais j'en ai eu un nouvel exemplaire pour Noël. D'ailleurs, la boîte n'est pas tout à fait la même, mais. J'en ai reçu effectivement un exemplaire. Ça a l'air d'être exactement le même modèle. C'est juste la boîte, le packaging qui n'est pas le même. Mais sinon,
Ça a l'air d'être le même, effectivement. Même la boîte, c'est les mêmes dimensions, d'ailleurs. C'est exactement les mêmes dimensions de la boîte. Ouais. Donc voilà, je ne l'ai pas ouvert. Je pense que je l'ouvrirai peut-être cet été ou... Je sais pas. Ouais, peut-être cet été. Ou au printemps, en avril, quand je pars au bord de la mer. Parce que finalement, je pense que je vais partir au bord de la mer plus en avril qu'en juillet. Étant donné qu'il y a moins de monde au mois d'avril, en fait. Certes, la mer est moins chaude, mais il y a moins de monde quand même. Et moi, j'aime pas trop la foule, tu vois. Même là où j'étais à la neige, ça m'a pas trop angoissé, ça va. C'était... Moi, en tout cas, ça m'angoissait pas la foule. Mais c'était pas très agréable et je suis plus habitué à la foule en tout cas. À une époque, peut-être que j'y étais mieux habitué, mais plus maintenant. Donc voilà, j'en ai eu un nouvel exemplaire de Wet Set Collection. Le Wet Set, j'ai l'impression que c'est tous les gonflables Intex qui s'appellent aussi The Wet Set. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà. Donc ça a l'air d'être le même modèle, juste la boîte, le packaging qui est différent, mais sinon, ça a l'air d'être le même modèle. Ah bah oui, là c'est tout mou, là ça s'est complètement dégonflé. Qu'est-ce que je voulais dire dessus aussi? Bah justement, c'est bon, on va pouvoir parler du fait que... Je l'avais mis là. Là où il y a de la place, on essaye de trouver de la place où il y en a. Donc voilà, je l'ai eu en même temps que la moto hein, pour Noël 2023. Bah oui, même le petit drapeau, il est retombé là, il tient plus debout. C'est un peu mieux. Donc voilà. Et donc pour le Wet Set et Intex, je vais en faire court sur l'histoire d'Intex que je ne connais pas trop d'ailleurs. Hein, je sais pas si vous avez des informations, si vous avez des sources, n'hésitez pas à compléter en commentaire. Mais en gros, de ce que j'ai pu voir, c'est que Intex, en fait, c'est une entreprise donc, qui a été fondée en Californie dans les années 60, entre 1964 et 1966, selon les sources. Donc déjà, les sources diffèrent de ce que j'ai pu voir. Mais voilà, ça a été créé par là, dans les années 60, en Californie. Et après, je ne sais pas s'ils produisaient déjà des jouets gonflables à l'époque. Il disait que c'était le premier fabricant de piscines hors sol aussi. Ceci peut-être depuis les années 60, ça j'en sais rien non plus. Mais ce que je sais, c'est que Intex produisait déjà des jouets gonflables depuis les années 90. Au moins depuis les années 90, peut-être encore plus ancien, je sais pas, mais de source sûre, c'est au moins depuis les années 90. Sous le nom, justement, à l'époque, ça s'appelait The Wet Set, les gonflables de Intex de l'époque. Il y a ce que je sais, en tout cas, c'est grâce à une chaîne, en français, en tout cas. Il y a une chaîne qui s'appelle Univers des gonflables et Fury. Avant, ça s'appelait juste Univers des gonflables. Mais maintenant, ça s'appelle Univers des gonflables et Fury. Bon, c'est la même chaîne. Et là, je crois... À une époque, elle avait 600 abonnés. Après, je sais pas, ça a peut-être changé depuis, ça a peut-être bougé depuis, mais il n'y a pas très longtemps, j'avais regardé, je crois qu'elle avait dans les 600 abonnés, un truc comme ça. Donc voilà. Sinon, il y a une chaîne un peu plus connue, enfin, même très connue, c'est peut-être la plus connue de chaîne de gonflables. C'est Heath Dragon. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais je l'écrirai. Là, soit comme ça ou sinon dans la description. Donc, Heath Dragon, ça doit être une chaîne américaine, je pense, hein, de gonflables. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une vidéo. La chaîne a environ 300 000 à 400 000 abonnés à peu près, donc c'est assez connu.
Mais en fait, c'est qu'il y a une vidéo de la chaîne qui est beaucoup plus vue que le reste. Hein. C'est comme ma chaîne, d'ailleurs, il y a une vidéo qui a beaucoup plus de vues que les autres. Et ben là, chez His Dragon, il y a une vidéo qui a plus de 120 vues, peut-être même plus à l'heure actuelle. Et les autres, par contre, elles sont beaucoup moins connues. Mais il y a une vidéo qui a plus de 100 millions de vues, ce qui est assez étonnant. Et le reste, par contre, c'est beaucoup moins connu. Mais voilà. Ça fait que la chaîne a 400 000 abonnés à peu près. Et il y a une autre chaîne que je regardais depuis longtemps aussi. Je sais pas si vous connaissez, c'est Calabi. Alors aujourd'hui ça s'appelle Calabi, mais à une époque où il y a longtemps ça s'appelait Space Time quelque chose, je sais plus exactement, mais Space Time avec un chiffre derrière. Je sais plus si c'était Space Time 511, un truc comme ça, je sais plus. Et je vous mettrai peut-être le lien dans la description aussi. Aujourd'hui ça s'appelle Calabi et c'est une chaîne japonaise, je crois. Mais j'ai mis longtemps à savoir que c'était japonais puisque dans les vidéos, en fait, ils parlent pas du tout. Mais vraiment, ils parlent pas du tout, quoi. Il y a zéro parole. Et les titres des vidéos sont en anglais, donc là, j'ai compris. Mais il y a une ou deux vidéos sur sa chaîne où il y a du japonais. Enfin, dans le titre, il y a des caractères japonais. Et donc, c'est comme ça que j'ai su que c'était japonais. Et aussi, dans la description de la chaîne aussi, il y a le pays d'origine en général. Alors, pas sur toutes les chaînes, mais sur celle-ci, c'était bien le Japon, le pays d'origine, effectivement. En tout cas, il a une superbe voiture gonflable, mais vraiment de la taille d'une vraie voiture, quoi. Mais entièrement gonflable. En gros, c'est une. Enfin, il en avait même plusieurs. Il y en a une, je crois, une blanche. Je sais plus si c'était une Audi ou Mercedes ou une voiture allemande, en tout cas, je crois. Et une autre qui est couleur orange, c'est une Skoda Karoq. C'est vraiment des modèles, c'est vraiment un modèle qui existe vraiment en plus. Donc un modèle de Skoda Karoq, mais entièrement gonflable, quoi. Bon, et ben, je pense que c'est bon, bah, avoir bientôt fini la vidéo. Je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais ça se trouve, ça fait déjà bien trop longtemps. Mais on va essayer d'éviter de faire une vidéo d'une heure, même si pour la moto, j'ai pas pu faire plus court. J'ai essayé, mais j'ai pas pu faire plus court, j'ai pas réussi. Là, on va essayer que ça soit plus court, donc voilà. Bon, c'est parti. Au revoir. Je vais peut-être vous mettre la vidéo du dégonflage, mais ça sera tourné à part, en fait. Le moment où je le dégonfle et où je le remets dans la boîte. Ça sera tourné plus tard en fait. Donc voilà. Et là, ça s'est aggravé, le trou, il s'est ouvert, là, regarde. Je sais pas si on voit bien, mais... Et là, je sais pas si vous voyez, il y a toute une brèche qui s'est ouverte sur tout ça. Donc maintenant, ça fait presque 1 cm, alors que ça faisait moins d'un millimètre tout à l'heure. Et c'est là que c'est inquiétant, justement. C'était pas comme ça avant. Hein. Avant, c'était juste, on voyait à peine le split. Ils appellent ça un seam split en anglais, donc quand la couture se fend. Et là, oui, c'est réparable, mais c'est difficilement réparable, je pense. Et là, ouais, là, il y a un point faible, c'est tendu, tendu dans ce sens-là, tendu dans ce sens-là aussi. Donc forcément, au bout d'un moment, ça craque. Hein,
Alors là, pour le replier de façon à remettre dans la boîte, il faut légèrement faire comme ça, de façon à ce que la poignée soit légèrement décalée. En fait, il faut le plier en 4 dans la largeur. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. La poignée, elle doit être dans le deuxième pli, dans le deuxième quart. Ça, faut le replier là-dedans comme ça. Ça, tu le replies par-dessus. C'est la poignée par là.
Là aussi, ça rentre dans la boîte, mais c'est juste.